Good cop, bad cop. Bad cop. La police de Bridgeton, au New Jersey, a tiré sur un homme qui avait les mains en l'air et l'a tué. Les policiers Brian Dez et Roger Worley sont suspendus depuis le 30 décembre après avoir tué Jerram Reid, un homme de 36 ans arrêté pour avoir brûlé un feu rouge. La vidéo suivante a été captée par la caméra installée dans la voiture des policiers. Je vous préviens, ça ne se termine pas bien. Hey, how y'all doing? Good. Hey, Officer Dez, Bridgeton Police. Reason I'm pulling you over, you went right through that stop sign back there. Where at? Right on South Pine Street. Wow. Hey, you got a driver's license? Yeah, I got my driver's license. What's up, man? Can you go and grab it for me? Stop sign, we stop. No, no. Show me your hands. Show me your hands. Show me your hands. Don't move. Don't you move. Don't you move. Get him out the car, Raj. We got a gun in this glove compartment. Don't you move. Je te préviens, je vais te tirer dessus. Tu vas crever, je te préviens. C'est ce qu'a dit Dez à Reid juste avant de presser la gâchette. Je te préviens, garde tes mains là. Et hey, Jerram, tu touches à quoi que ce soit et t'es mort. Je sors, dit alors Reid. Non, tu ne sors pas, tu bouges surtout pas, ne bouge surtout pas, lui répondit Dez. Je sors, a répété Reid juste avant d'ouvrir la portière et de sortir. Dez semble lui avoir tiré dessus 6 fois et Worley aurait pressé la gâchette 1 fois. Reid a été touché mortellement et s'est écroulé au sol. Le conducteur du véhicule a, quant à lui, gardé ses mains en dehors de la fenêtre et n'a pas été blessé. Le bureau du procureur du comté du Cumberland fait enquête. Reid aurait passé 13 ans en prison après avoir tué un policier lorsqu'il était adolescent. Les policiers ont bel et bien retrouvé une arme dans le véhicule. Reid a, quant à lui, désobéi aux ordres de Dez, mais il a gardé ses mains en l'air. Qui a eu tort selon vous?